Et salut les bouseux, les boiseux, les boiseux, pardon, les boiseux. Et puis surtout les boiseuses. Ouais, j'ai la dalle. Attendez. Non, c'est bon. Non, parce qu'on me dit qu'il y a des boiseux qui ont des problèmes au niveau des élastiques des chaussettes. Alors je vérifie à tout hasard. Voilà. Ça, j'y remets là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait le plateau télé, à un moment donné, j'avais utilisé un petit montage comme ça, qui me permettait de rainurer, en fait, dans les angles. Bon, sachant bien sûr que là, ce n'est pas un angle droit, hein, puisque mes bords étaient inclinés d'à peu près 20 degrés par rapport à un angle de 90, ce qui fait 110. Ouais. Enfin, sauf s'il pleut. Et donc j'avais utilisé ça pour faire une petite rainure et puis pour mettre un petit renfort d'angle, parce que ça renforce l'angle. Et puis aussi parce que c'est joli. Voilà. Donc, le but de la manip, hein, c'est que, bon, alors ça c'est bien. C'est bien, mais c'est difficile à réussir, en fait, les assemblages d'onglets comme ça. Ce qui fait que des fois, on est un petit peu à la ramasse. C'est pas tout à fait parfait. Il y a des endroits où c'est pas joli. Ça baille un petit peu, tout ça. Et alors, on voudrait bien le camoufler. Comme ça, quand la belle famille vient vous voir le week-end, eh ben, vous avez un petit peu plus quand même de d'aura, vous voyez. Ouais, aura, c'est. Ça veut pas dire que vous, plus tard, vous allez la voir. Non, c'est pas ça. Donc, pouvez-vous la péter en soirée? Voilà. Je me suis dit, on va essayer de faire un montage un peu plus universel. Alors, par contre, je vais le limiter aux angles droits, hein, parce que sinon, ça va devenir une usine à gaz, le truc. Donc voilà, je suis parti sur une conception un petit peu identique, mais en prenant soin d'avoir un petit peu de place pour mettre n'importe quelle défonceuse, parce que sur celui-ci, je ne passe que la fleureuse, hein. Ouais, il n'y a pas grand-chose là. Ça va être un montage à peu près identique. Ça veut dire que ici, ben, je vais avoir des renforts qui vont pas être au même angle que là. Moi, je vais prendre des 45. Ouais, en fait, ils sont pas à 65 du coup. Ils sont à 40 moins 15, 35. Bref. Donc, je vais prendre des renforts comme ça à 45. Avec mes deux trucs à 45, ça me fera 1,90. Voilà, je vais mettre ensuite mes petits bouts de contreplaqué comme ça. Ensuite, ma pièce viendra là au milieu. Bien sûr, tout ça, ce sera dans l'autre sens. Mais là, si je fais dans l'autre sens, ça va être impossible à vous le montrer. Et au-dessus, coule une rivière, non. Et au-dessus passera soit la défonceuse, soit la fleureuse, un petit peu en fonction de la manière dont je vais vouloir travailler. Voilà. La plaque sur laquelle la défonceuse va passer, c'est du contreplaqué de 6 mm. Donc il est un petit peu flexible. Donc on va y mettre des renforts pour le rigidifier quand même, histoire que ce soit un peu solide. Alors pourquoi je prends du contreplaqué aussi fin? Bah, la raison, elle est toute simple. C'est que si je prends du contreplaqué trop épais, et si c'est trop épais, c'est trop épais. Parce que j'ai pris un veston, mais le veston là est trop épais. Ah, voilà. Parce qu'un veston doit être pépé, mais doit être pas trop pépé. Disons, le veston doit être juste pépé comme il faut, mais pas trop pépé. Sinon, ben, on transpire de trop gras, on n'est pas mélancolique. J'ai pas un veston qui est trop pépé. Trop pépé, trop pépé. Il n'y a pas que le veston qui est pépé. Ah, non, 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 non. Sous la casquette, c'est pépé Ah oui, mais aussi. disons, bon, ben. Si je prends du contreplaqué trop épais, disais-je, je vais me retrouver en fait avec des fraises trop courtes ou une plongée trop courte. Enfin, bref, je vais être en kikiné. Et ça, c'est toujours désagréable quand on travaille tranquillement le dimanche en écoutant du blues et en buvant du café. Donc, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des rainures qui vont servir à faire coulisser. Là, ces deux guides qui sont actuellement fixes, ils vont coulisser comme ça latéralement, de façon à ce que la défonceuse qui sera au milieu puisse faire la taille que j'ai envie qu'elle fasse, et puis qu'elle puisse éventuellement se déplacer d'un côté à l'autre du gabarit. On va voir après pourquoi. Donc je vais utiliser pour mon réglage des boulons TRCC qui vont coulisser dans les rainures. TRCC, ça veut dire tête ronde, hein, la tête est ronde, collet carré.
Donc c'est le collet, c'est cette petite partie-là là, que vous voyez, hein, et qui est carrée, et qui fait qu'en fait, quand elle est coincée dans la rainure, vous pouvez tourner le boulon, enfin l'écrou papillon qui est au-dessus pour faire votre réglage, sans que la tête ne tourne toute seule. Voilà. Bon, on vous reçoit après, j'explique n'importe comment il y a des fois. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, vous aurez peut-être remarqué que je m'y prends en deux fois. En fait, je donne un petit demi-millimètre au niveau du guide micrométrique. Je donne un petit millimètre au niveau du guide micrométrique. Oh la vache! Ça me permet en fait de faire en sorte que la tête, hein, le collet carré du boulon, enfin de la vis, quoi, on dit comme on veut, là aujourd'hui je m'en fous, puisse coulisser en fait correctement dans la rainure, parce que comme ça fait 6, si ma rainure fait exactement 6, bah s'il n'y a pas de jeu, ça coulisse pas. Donc là je vais fixer mes renforts d'angle le plus précisément possible. Je vous retrouve quand j'ai fini de fixer tous les renforts. Donc maintenant que j'ai fixé mes renforts à 45, hein, le plus à fleur possible ici, ça c'est important. Je vais venir fixer ces planches ici, là, sachant qu'auparavant j'ai tracé. Alors faites pas attention, il y a pas mal de traits, c'est parce qu'à la base... Enfin bref, vous m'avez compris, j'avais utilisé ça pour faire une épure. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on s'en fout, hein, c'est juste de la récup. Je voyais pas l'intérêt d'utiliser une belle planche toute neuve pour faire ça. Donc là, hop, j'ai tracé un axe, hein, au milieu, pour que mon axe central soit bien d'équerre par rapport au bord de ma planche, histoire après d'avoir des repères bien droits pour travailler. Donc là, il faut être soigneux quand on fait ça. On va mettre l'autre côté en face. Voilà, donc là j'ai réglé mes deux petits guides latéraux de manière à faire en sorte que j'y passe juste la petite embase de la Makita, et je vais venir faire ma petite rainure au milieu pour initier en fait la rainure. Et une fois que ça se sera fait, je viendrai mettre mon petit assemblage d'onglets dessous, et puis je ferai deux trois petites passes, hein, de manière à mettre mes petits renforts d'angle, et puis que ce soit un peu sympa. Thank you.
Alors, petit détail, pour couper l'excédent, je vais utiliser une scie à raser. Une scie à raser, c'est une scie qui n'a de voie que d'un côté, ce qui évite que du côté de la surface qu'on ne veut pas abîmer, bah, ça fasse des traces de scie, quoi, voilà. C'est bien marqué, en plus, « this side up », donc ça veut dire « ce côté-là en l'air ». Il y a toujours un côté à une scie à raser. Alors ça, c'est une scie type japonaise, puisque bah, elle coupe en tirant. Et voilà pour cette vidéo. Alors bah, si comme moi t'es pas doué pour faire les assemblages japonais, Nejiri, Arigata, voire même que tu n'es pas sûr de la prononciation du truc et du nom, et bah, tu peux faire ça. C'est facile, et puis ça égaye un petit peu nos assemblages d'anglais, voilà, qui sont des fois un petit peu tristounets. Alors là j'ai fait mes assemblages avec des chutes, du coup j'ai un petit jour au milieu, hein. Faudra m'excuser, c'est de la récup. C'est juste pour l'exemple. J'ai foutu de mes clés, moi. Elle est finie, la vidéo. Donc, bah, il faut que... Voilà. Après, moi, perso, je m'en fous, hein, je suis sur place, hein. Alors, je ne saurais dire pourquoi, mais je mettrais bien un petit peu de crème dans mon café, moi. Voilà.